à tous. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 27 et je vais faire une grosse marche dans Kiev. Je vais aller dans un centre commercial qui se trouve assez loin. J'y suis jamais allée et je me réjouis de marcher, de regarder un peu la ville, de regarder un peu la belle, les endroits que j'ai jamais vus. Mais c'est vraiment dur de respirer. Franchement, je galère, j'ai du mal, j'ai l'impression d'étouffer. Les voitures sont là partout. C'est dans toutes les rues où je suis passée ce matin, il y a des comment ça s'appelle, des bouchons. Et moi, je peux plus respirer. Ah oui, c'est vrai que c'est bizarre ça. Du coup, on en voit des choses. C'est un magasin de lunettes, n'est-ce pas? C'est vraiment drôle. Je vois maintenant partout dans Kiev qu'il y a des sex shops qui ont ouvert. Avant, j'en ai jamais vu autant. J'en ai même jamais vu. Maintenant, c'est comme en Allemagne, partout il y a des sex shops. Et ce que j'aime bien, c'est que les dernières années, ils font partout, un peu comme à Berlin, les grandes peintures sur les maisons. Il y a beaucoup d'artistes étrangers qui viennent faire leurs œuvres sur les maisons moches. Et oui, aujourd'hui en fait comment le dire, aujourd'hui on a la première neige, vous ne la voyez pas, ça se voit pas du tout sur la vidéo, mais là on voit des petits bouts de neige. C'est de la neige encore mouillée puisque là il fait 1 degré tout au plus, 2 peut-être, donc ouais, en fait on sent déjà le froid. Mais je crois que demain il peut vraiment neiger. Je ne pense pas qu'on aura vraiment de la neige qui va rester, mais c'est la première neige à Kiev. C'est pas la première neige dans cette année, mais c'est la première neige à Kiev. Là aussi ils ont fait un truc bizarre. Voilà la première station électrique pour les voitures que je vois en Ukraine, jamais vu. Et d'ailleurs je trouve ça bizarre qu'il n'y a personne qui s'est mis là, parce que le parking ici c'est ça, hein, tout le monde se met sur la rue. Et là, le parking pour charger les voitures électriques est vide. Joli ça, les cravates de Noël. Là-bas, ils sont visiblement en train de construire une église. J'ai jamais vu comment ça se fait, comment ça marche. Oui, attends. Ah, ça c'est le stade de foot, le grand stade de foot, qui a été d'ailleurs construit pour les espèces de trucs européens là en 2010, je crois c'était. Ah bah ça c'est à côté juste. L'église qui se construit. Oh, c'est trop joli. Ça c'est mignon. Le local pour mettre les annonces de théâtre. Tout joli. Ici c'est l'opérette de Kiev. Le théâtre de l'opérette. Je sais pas si. Je pense qu'ils montrent aussi des théâtres normaux là-bas. Ah, c'est ici. C'est le planétarium. Oui. Mon dieu, combien de fois je suis venue dans ce planétarium. J'ai jamais compris comment on fait, comment on regarde les étoiles, mais j'ai vu le planétarium. Et là-bas, il y a un bâtiment très bizarre, qui est, enfin, deux bâtiments d'une architecture intéressante, on va dire, striée, qui sont reliés là-haut par une passerelle. Qu'est-ce ? C'est quand même une jolie place ici, la place avec... le grand stade qui est joli, tous les bâtiments jolis, le planétarium. Ici des trucs bien de chez nous. Ça c'est un club de striptease. Un club pour les hommes, je ne sais pas ce qui se passe dedans, mais j'aime pas le nom. Les universités sont vraiment importantes. Là c'est une maison type de l'URSS. Et là, je ne sais même pas ce que c'est ce bâtiment, mais ça a l'air très très neuf. Ça je crois que c'est un hôtel. Et de l'autre côté, magnifique. Cette sublime, superbe église. Ah si, je crois que je l'ai vue, mais un soir. Et ils font ici de la musique de leur... de... orgue, c'est ça. Ils font des concerts d'orgue ici. Wow, qu'est-ce que c'est beau. Oh, vraiment dans un style pas du tout commun à l'Ukraine. Une espèce d'histoire là. C'est magnifique. Thank you.
Ça, c'est le palais de l'Ukraine. Alors ça s'appelle comme ça, et dedans ils font des espèces de théâtre, des spectacles. Avant c'était le truc cool, maintenant ça ressemble plus à rien. Nous sommes arrivés, c'est le Ocean Plaza, c'est un grand centre commercial où je suis jamais allée. Et je suis choquée parce qu'il y a KFC. Je m'en rappelle, l'année dernière j'avais vu aussi, mais ça me surprend. Un joli sapin ici. Ce magasin qui est derrière moi réserve, j'ai acheté un petit pull orange, très 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 beau. Je pense que je vais vous le montrer à la maison. Je n'aime pas trop les pulls qui vont sur la gorge comme ça, mais il m'allait tellement bien que j'ai craqué. Il est beau cet aquarium, ça fait 20 minutes qu'on est devant. À chaque fois il y a des poissons nouveaux qu'on n'a pas vu qui arrivent. Il est extraordinaire, vraiment beaucoup de poissons que j'ai jamais vu dans toute ma vie. On est sorti du magasin, déjà un peu fatigué. J'ai rien acheté d'autre, mais je suis entièrement rouge. Je pensais qu'on allait rentrer à pied aussi, mais en fait on va prendre le métro. Donc bienvenue dans le métro de Kiev. Ça a une odeur particulière de métro que j'aime beaucoup, qui me fait penser à l'enfance. Ces portes, elles font très peur parce que des fois elles se ferment sur les gens. En tout cas c'est l'idée que je m'en fais, c'est peut-être faux. Les tickets, c'est des petits jetons comme ça. Mais qu'est-ce? Et il faut le mettre là-bas. Je suis au mauvais endroit pour l'abonnement. Je ne sais plus me servir du métro. Il y a juste un endroit où tu mets ces putains de jetons, c'est pas possible quand même. Là. Tu mets dans M et tu passes. Oh, j'ai trop peur. C'est bon, ça s'est pas fermé.
trois lignes, je crois. Trois lignes de métro à Kiev. Beaucoup de lignes de bus. On n'en voit pas le bout. En fait, le métro à Kiev, il est hyper, hyper, hyper profond. Il n'y a nulle part. Il y a des endroits où tu descends par les escaliers. C'est toujours pour automatiser. Oh, il neige encore. On est sorti à Paragrychatik même, enfin la station ça s'appelle la plage l'Indépendance. Il fait un peu frais. Vous voyez pas la neige, hein, mais elle tombe petit à petit, elle tombe. Normalement, avant il disait que samedi il y aura de la neige. Je pense que on va pas rester, mais j'espère qu'il va faire plus. J'espère que vous avez passé une très très bonne journée. Que vous commencez déjà les préparatifs pour Noël. Moi, oui. Je commence déjà à penser quel plat faire. En tout cas, je fête en famille. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais chez nous, au Nouvel An, on se fête plus que Noël. Et les cadeaux, c'est un Nouvel An. Donc je le fête tous les ans en famille. Et j'ai du coup commencé à faire la liste de tout ce qu'il faut acheter, de tout ce qu'il faut préparer. C'est en fait le événement de l'hiver. Pour moi, il est plus important. Enfin, ouais, je le fête plus. Il est plus important, il est plus. Je sais pas, il reste plus en mémoire que Noël. Donc c'est bientôt. Il faut déjà commencer un peu à réfléchir comment ça va se passer. Et je suis très contente que bientôt cette nouvelle année commence. 2020, c'est un beau chiffre, un chiffre rond. J'ai l'impression que 2010, c'était il n'y a pas longtemps. Mais en fait, c'était il y a 10 ans. En fait, c'est terrible parce que plus on devient vieux, plus le temps passe vite. Et pourtant, je suis pas encore vieille. Et quand j'aurai 80 ans, je vais me dire, mon Dieu, mais qu'est-ce que tu étais jeune. Mais les années passent et j'ai l'impression de vieillir. Et en fait, je suis toujours jeune. En fait, on peut rester jeune toute sa vie. Tout dépend de ce qu'on a dans la tête. Je sais pas du tout pourquoi je parle de ça là. Les années passent et ouais. Enfin, je vous souhaite en tout cas de passer une très bonne soirée, nuit ou journée. C'est cool si vous avez été là pour regarder cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de la faire. Et puis, à bientôt. On se revoit très bientôt. Prenez bien soin de vous.